Sam. Écoute, ton nom est Sam Strand. Non, c'est faux. Plus maintenant. Je m'appelle Sam Porter Bridges. C'est un drôle de mot, Strand. En anglais, c'est un lien ou le brin d'une corde. Mais Stranding signifie s'échouer sur le rivage. Et lorsqu'on est échoué, on ne peut pas rentrer chez soi. Je me trouve dans cette situation. Échoué sur le rivage du Pacifique. À des milliers de kilomètres de toi. Mais notre lien est toujours aussi fort. Tu es libre, mais nous sommes liés l'un à l'autre. Tu ne peux pas dire le contraire. Sam, ici Die Hard Man. Vous avez dormi comme une souche. Vous deviez être épuisé. Les chambres privées sont dotées des commodités de base. Douche, toilette, etc. Utilisez-les pour vous reposer, inspecter votre matériel, consulter des informations ou ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au personnel. Mais avant, pourquoi est-ce que vous n'iriez pas jeter un coup d'œil par vous-même? Allez donc voir comment Bridges fonctionne. Éliminera toute trace de matière chirale sur votre combinaison. En parlant de combinaison, la bleue est réservée aux livreurs, la rouge aux services médicaux, l'orange chargé de l'incinérateur mortuaire et la noire à la sécurité. Sam, ici Deadman. J'ai calibré votre bébé en fonction des données physiologiques qu'on a collectées sur vous un peu plus tôt. Ça reste quand même approximatif. Quand vous aurez fait un tour avec, on vérifiera si vous êtes bien synchronisé et on ajustera la sensibilité du bébé en fonction.
Salut. On s'est déjà vu, non? C'est moi qui dirige les opérations de livraison, la maintenance et les réparations. Contente de vous avoir parmi nous. Je suis Mama, au cas où je ne l'aurais pas déjà précisé. Ce que vous voyez là, ce sont des liens. Ils ne servent pas uniquement à l'emballage, mais aussi à l'identification. Regardez de plus près, vous verrez. Vous voyez le rouge là? Eh ben, c'est votre sang. À ce terminal, là, vous pouvez consulter la base de données de Bridges, qui est une mine d'infos sur tout un tas de sujets. Vous n'avez pas accès à tout, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient vous servir dans vos pérégrinations. Ça va. Thank you.
Sam, ici Hartman. Je suis chercheur. Je tente de percer les mystères des grèves, du Death Stranding, ainsi que ceux du Dooms et des rapatriés. La douche dans votre chambre a été conçue spécialement pour la décontamination chirale. La matière chirale peut perturber la sécrétion d'hormones et endommager le système nerveux. Il y a un lien direct entre l'exposition et l'apparition de phobies, voire dans certains cas extrêmes, de pulsions violentes et suicidaires. On pense même que la contamination chirale serait à l'origine de l'apparition du Dooms. Je dois préciser que ces douches ont une autre fonction. Collecter votre sang, vos cheveux, vos fluides et autres déchets organiques. Elles constituent un moyen non intrusif de surveiller votre exposition au chiralium et votre état de santé général. Et je dois l'avouer, c'est une chance d'étudier votre physiologie hors du commun, étant donné que vous êtes un rapatrié, entre autres. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir ? Il est bourré de chiralium, mais c'est sans danger pour ceux qui ont le Dooms. C'est tout ce dont vous aurez besoin pour reconnecter le monde. Pour tous nous unir à nouveau. Reconnecter, créer des relais, je m'en fous. Je suis un porteur. Mais je ferai tout ce que je pourrai pour sortir Amélie de là. Écoutez, Sam. Les terminaux que l'équipe d'Amélie a construits dans les villages et les villes qu'elle a traversées en allant vers l'ouest sont ce qu'on appelle des relais. L'infrastructure est là, mais le réseau chiral n'est pas activé. Pour le moment, elle n'a la possibilité de transmettre que des communications vocales, avec ou sans fil, ainsi qu'une petite quantité de données. Alors à moins que les données nécessaires ne soient stockées sur place, nos chiralgrammes ne s'affichent pas. Amélie et les autres membres de Bridges que vous avez pu voir un peu partout sont des grammes, générés à partir de données locales, au cas où vous ne seriez pas au courant. Enfin bref, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver le relais, connecter votre cupidon et activer les communications chirales. Une fois que vous l'aurez connecté au terminal, vous pourrez initialiser la transmission instantanée de données massives avec le réseau des UCA. Et en une fraction de seconde, vous nous relierez non seulement les uns aux autres, mais aussi à notre passé. Toutes les données perdues et fragmentées seront compilées et restaurées. C'est un peu comme ramener un dinosaure à la vie à partir d'un fossile. Nous allons retrouver les 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre et tout le savoir et les connaissances que nous avons perdus lors du Death Stranding. Voilà comment nous allons procéder pour venir à bout de ce phénomène, Sam. Une fois que vous aurez établi les communications chirales, générer des grammes ne sera plus un problème. Et vous pourrez aussi utiliser les imprimantes chirales. À partir de là, nous serons très vite en mesure d'envoyer toutes sortes de choses sur le réseau. Enfin, rien d'original. Ou qui soit doté d'une âme. Rien de vrai. Uniquement des copies. C'est vrai. C'est exactement pour cette raison que nous avons besoin de porteurs comme vous. Il nous faudra toujours des intermédiaires, jusqu'à l'unification, mais aussi une fois qu'elle aura eu lieu. Pas de repos pour les pêcheurs, hein ? Et l'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous aurez les détails sur le terminal de livraison. En haut, n'oubliez pas d'aller voir. La marchandise y est aussi. Vu l'état de ces chaussures, vous pensez pas qu'elles ont fait leur temps ? Ça vous embêterait si je les jetais ? Attendez, justement.
Je voudrais que vous regardiez quelque chose. On dirait que mon sang a provoqué une réaction, et c'est arrivé plusieurs fois. Vous pouvez préciser ? Quel genre de réaction ? Aucune idée. Vous m'avez prélevé du sang, non ? À vous de me le dire. Très bien. Et je vais examiner ça de près. L'objectif actuel est de parvenir à étendre le réseau chiral d'ici à la ville relais portuaire. Mais vous n'allez pas pouvoir vous contenter d'avancer en ligne droite. Le signal ne porte pas aussi loin. Pour couvrir cette distance, il faut utiliser des relais. Vous voyez ça comme des nœuds reliant des cordes ensemble pour former une corde plus longue. Le premier de ces relais est une station de Bridges. Jetez donc un œil à la commande. Livrez-leur ce dont ils ont besoin et connectez le Cupidon. Peuvent contenir des informations. N'oubliez pas de les consulter avant de vous mettre en route. Sam. Pour cette course, on vous a fourni une corde et une échelle comme équipement. Celles-ci vous seront d'une grande aide pour franchir les pentes raides, et l'échelle pourra faire office de pont de fortune si vous devez traverser une rivière. Vous vous demandez sûrement comment vous y prendre pour apporter cette commande à destination. Sam, pour cette course, celles-ci vous seront d'une grande aide pour Franck. Vous vous demandez...
commande attribuée. Vous savez, même les meilleurs porteurs perdent leurs marchandises parfois. Mais vous, vous êtes le meilleur des meilleurs. Vous êtes capable de mener à bien ce qu'ils ont commencé. Si jamais vous tombez sur des cargaisons abandonnées, surtout n'hésitez pas à les amener à destination. C'est plus facile que ce que vous croyez. En fait, tous nos paquets sont munis d'identifiants Bridges pour en faciliter le suivi. Et votre Dradek est équipé d'un scanner capable de détecter ces identifiants. En d'autres termes, cet appareil que vous avez sur l'épaule peut vous aider à localiser des cargaisons perdues dans la nature. Ça, une échelle bien placée permet de traverser la plupart des couloirs en sécurité. Essayez donc d'utiliser celle qu'on vous a fournie. Sam, n'oubliez pas que l'exposition prolongée aux précipitations endommage les caisses de marchandises. Ne restez jamais sous la pluie plus longtemps que vous n'en avez besoin. On sens ou quoi? Quoi?
C'est le Death Stranding qui est à l'origine de tout ça. Les quêteurs, l'effondrement de l'Amérique et tout ce qui est arrivé depuis. C'est à cause de lui que le monde a complètement changé. Les hommes n'ont pas eu d'autre choix que de détaler comme des rats quittant un navire en perdition. Mais il n'y a nulle part où aller. On ne peut pas continuer à vivre ainsi. Si on veut survivre à tout ça, il faut trouver une solution, un moyen de lutter contre les échoués, contre le Death Stranding, de reprendre le contrôle de la situation.
vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Marchandise confirmée. Merci. Merci. La perte de la ville relais centrale nous a tous secoués. Personne n'avait l'air de savoir ce que ça impliquait pour l'organisation, ou pour les UCA, ou pour nous. Mais le Cytacine va détendre l'atmosphère, ça nous sera bien utile. On soit à nouveau d'attaque en un rien de temps. Faites voir. Ah, c'est génial. Merci encore. Tout a l'air en ordre. Mais j'espère que notre station le sera bientôt. Vous êtes de la deuxième équipe, c'est ça? Où sont les autres? Morts. Dans l'anéantisation. C'est pas vrai. Tous dans la même explosion? Et donc, ils vous ont envoyé tout seul? Enfin, si c'était une simple livraison, soit. On voit passer des porteurs de temps en temps, mais... La deuxième équipe devait nous apporter le Cupidon pour nous connecter. Ça fait 3 ans qu'on attend de l'aide. Merde, 3 ans! Et ils nous envoient un seul type! Merde! Dites-moi au moins que vous n'avez pas apporté que le Cytocine. J'ai le Cupidon. Vous... Vraiment? Alors c'est vrai? Il marche enfin? Bon, dans ce cas, vous pourriez bien être la réponse à mes prières. Alors qu'est-ce que vous attendez? Branchez-nous à ce fichu réseau. Connexion à la capitale relais, confirmée. Ça marche pour de vrai. Comme Amélie l'avait promis, on peut enfin faire ce pourquoi on est là. Et vous allez vers l'ouest, pas vrai? Il y a beaucoup de gens qui vont être ravis de vous voir. Vous allez continuer jusqu'à la côte, c'est ça? Mais alors vous allez pouvoir voir Amélie en personne. Oh, c'est énorme, ça, c'est vraiment énorme. Moi, je l'ai jamais rencontrée, juste ses messages holographiques quand j'étais dans la première expédition. Enfin, quoi qu'il en soit, soyez très prudents sur la route. Il y a pas mal de sales types dehors. Plus que de gens bien, paraît-il. Enfin bon, vous le savez déjà. Merci, Sam. En intégrant cette station au réseau Chiral, vous lui avez donné la possibilité d'échanger directement avec ceux qui se trouvent ici, à la capitale relais. D'accord. Et ensuite ? À l'ouest de cette station se trouvent des structures installées par notre précédente expédition. Et de l'autre côté, votre destination suivante, la ville relais portuaire. Elle est située au bord d'un lac cratère, né de la première néantisation.
Votre objectif est de connecter la capitale relais au relais portuaire. Mais pour y arriver, vous allez devoir vous servir de nos installations comme de stations supplémentaires. Elles seront essentielles pour établir une connexion stable. Étant donné la distance à couvrir, on est en train d'envisager d'utiliser un centre de distribution et une centrale électrique. Quant à savoir par où commencer, le centre de distrib d'abord. Il ne faut pas oublier qu'on a des marchandises à livrer. Consultez le terminal et récupérez-les. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder au terminal de... Votre travail porte ses fruits, Sam. Grâce à l'accroissement de la capacité du réseau, le siège a désormais la possibilité de vous fournir davantage de matériaux, mais également de soutien. Ça peut être utile. Beau travail, Sam. Vous avez rapporté des marchandises perdues. N'hésitez pas à les déposer ici pour qu'elles soient traitées. Si vous en trouvez d'autres pendant une course et que vous ne pensez pas pouvoir les apporter à destination, vous pouvez toujours les entreposer. Elles resteront à l'abri jusqu'à ce qu'un autre porteur vienne terminer le travail. Et même si elles doivent passer par une dizaine d'autres personnes avant d'arriver à bon port, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Sam, les casiers partagés permettent d'échanger des marchandises avec les autres porteurs. De l'interdiction des armes.
Ça, c'est pour toi. Quelqu'un m'entend ? Thank you.
couche tellement sèche. Quelqu'un. Lancement du scan. Scan de l'identifiant Bridges. Vérification de l'identifiant. Accès autorisé. Toutes les armes resteront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Faites bon voyage.